C'est également la force de cette équipe chinoise. Il y a de la réserve. Ce qui n'est pas le cas forcément pour la Corée du Sud. Kim Sung-il. C'est parti. Allez, avec ici une vrille et demie, une vrille et un salto et demi en roulade. Et malheureusement, les deux pieds en dehors du praticable. La difficulté ne comptera pas. Alors on a tout vrille et demi arrivé en roulade, que l'on appelle le diabolique. Saut de main, double vrille, barani tendu. Le travail en triple russe. Oui, malheureusement, c'est déjà terminé pour le coréen. On a pu voir cette grosse erreur en début de programme. Position à la terre, les bras écartés. Ça tremble un peu. Ici, une double vrille pile chute. Élément relativement simple, élément de base, qui va l'amener à la dernière diagonale ici. En double vrille et demi, c'est pas mal. C'est bien, c'est solide. Mais effectivement, une grosse faute en début de programme va lui coûter toute chance de médaille, je pense. Il aurait pu prétendre au podium, le contenu le permettait largement. Malheureusement, on va revoir ici vrille et demi, vrille. Et là, le salto arrivé en roulade et les deux pieds directement en dehors. Et le code de pointage précise bien que ce genre d'arrivée est très fortement pénalisé. Combien ? 8 dixièmes ? 8 dixièmes, on va dire 5 dixièmes, mais la difficulté du salto et demi ne sera pas comptabilisée. Ça rapportait quand même pas mal de points aux Coréens. Donc on peut aller presque jusqu'à un point en moins. Un point de pénalité sur cette faute. Et oui, ça fait mal. $15,200, ça reste quand même gentil, correct.